Des œufs du diable. Amen. Alors, on dit diable, c'est l'ennemi. Le diable, vous voyez là, était d'abord un ange de lumière. On l'appelait Lucifer. Il a travaillé avec Dieu. Et puis un matin, il s'est levé, il a monté une rébellion dans le ciel. Il a décidé de combattre l'être cher de Dieu. Amen. Alors Dieu va envoyer, n'est-ce pas, une armée, les détruire. Satan a perdu la place dans le ciel. Il ne s'appelle plus Lucifer. Il est devenu Satan. Il est devenu adversaire. Et lui, son ministère, c'est la destruction. Il détruit. Il détruit. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, malheur à la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il a peu de temps. Heureusement que Jésus-Christ, Dieu dans son amour, va donner son Fils. Jésus, de par sa mort et sa résurrection, va détruire le royaume du diable et va nous donner le pouvoir sur Satan. On dit Amen. Amen. Il va nous donner le pouvoir sur Satan. Donc, c'est la continuité du ministère de Jésus. Souvent, les gens sont choqués de comprendre qu'un homme de Dieu fait parler un sorcier. Mais je dis, mais en quoi c'est mauvais? C'est un sorcier, pas. Jésus a fait parler les démons. Il dit, qui es-tu? Il dit, je m'appelle, je suis Légion. Non, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas la Bible. Or, le sorcier doit oublier ce qu'il a fait. C'est ce qu'ils sont venus dire aux gens. Il y a ce qu'on appelle la réalité occidentale et puis la réalité africaine. Nous sommes en Afrique, nous avons une réalité. Or, Dieu ne tiendra compte de nos réalités pour manifester sa puissance et sa gloire. Nous, nos problèmes, que vous voulez ou pas, que vous croyez à ça ou pas, nous, nos problèmes, c'est la sorcellerie. Que vous croyez ou pas, les blancs disent que les Africains sont superstitieux, croyez-le. Mais c'est une réalité. La sorcellerie existe. Ça existe. Les premiers à combattre les sorciers sont les blancs. Donc, ils disent arrêtent leur comédie. Qu'ils arrêtent la comédie. Ils ont combattu la sorcellerie. C'est ce qui est vrai. Ça fait partie de leur histoire. La chasse aux sorcières, 15e, 17e siècle, ils ont pratiqué, des barbares ont brûlé tous les sorciers. Je vous assure, tous les sorciers ont été brûlés. Ils font les aveux, on dit, bon, tu as fait sorcellerie avec qui? J'ai fait sorcellerie avec telle personne, ok, monsieur, venez. Vous êtes dans tel conflit, ok, on vous brûle. Et c'est comme ça qu'ils ont mêlé ce combat. Eux aussi ont mené un combat contre la sorcellerie. Et après avoir vaincu la sorcellerie, ils ont connu un ciel glorieux qu'on appelle le ciel de lumière. Et de la révolution industrielle. C'est là l'histoire. Le 18e siècle. Amen. Amen. Or, quand vous regardez la Bible, Christ nous a donné le pouvoir sur le diable. Amen. Amen. Les gens disent, ah, mais c'est quel homme de Dieu qui chasse sorcier? C'est lui qui joue après les sorcelleries. C'est que lui-même les sorciers. La sorcellerie, vous savez. C'est ce qui est dit aux gens, si vous voulez mettre vos problèmes de sorcellerie dans ce qui soit des sciences, la sorcellerie ne peut pas être objet de science. Parce qu'elle ne peut pas démontrer. Mais c'est une réalité, elle existe. Or, vous voyez, la science que vous voyez, elle est limitée. La science est limitée. Or, la science nous fait quoi? Nous, c'est de comprendre et d'expliquer les phénomènes, la nature, c'est tout. Or, il y a des choses que la science ne pourra pas expliquer. Par exemple, le sang. Demandez aux gens scientifiques de créer le sang. Ils ne pourront jamais le faire. Jamais. Ils sont limités. Ils sont limités. Demandez à un scientifique de vous montrer l'âme. Parce qu'ils savent qu'un être humain est composé d'une âme, d'un esprit, d'un corps. Demandez à un scientifique. Vous reconnaissez, vous tous les scientifiques, que l'être humain est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Ils sont d'accord. Demandez à un scientifique de montrer une âme. C'est quoi âme? C'est quoi esprit? Amen. Amen. Or, nous, la religion nous révèle beaucoup de choses. Or, vous savez que le plus grand scientifique, c'est Dieu. C'est pour ça que quand les gens font des choses, ils ont fait une découverte. Ils découvrent des choses. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un, du coup, commence à voir la sorcellerie comme un truc, un peu, ou bien protège un sorcier, lui-même les sorciers. Lui-même les sorciers. Nous, nous combattons la sorcellerie. D'autres souvent ils me voient en diable.
Mais comment diable Satan peut lui-même désarmer son armée? C'est ce qu'il ne comprend pas. Satan met un système en place. Et puis lui-même, Satan, il vient et dit, bon, j'ai détruit mon système mis en place. La Bible dit que Satan ne peut pas combattre Satan. Il ne peut pas. Satan ne peut pas venir combattre Satan. Or, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous qui devons combattre, détruire le royaume de Satan. Amen. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Moi, je suis fils de Dieu. Je dois détruire les œuvres du diable. C'est le ministère de Jésus. Je dois détruire les œuvres du diable. Si je ne détruis pas les œuvres, il les caresse. C'est sûr. C'est qui appartient à Satan. J'ai dit aux gens, mais vous êtes dans une église et puis les sorciers sont là. Ils ne sont pas inquiétés. Mais vous êtes dans une église, les gens sont là, ils ont les problèmes de sorcellerie, on les mange. On fait les sauces plats là, on fait les sauces arachides, sauces grecques, hein, foutu, aubergine. Souvent même c'est pâté. On a entendu ici, on dit à sorcier, il fait pâté. Il a pâté maintenant. Peut-être qu'il aura peur. Oui, on peut faire en Grèce là, tu fais peur. On a appris ici qu'il fait pâté. Oui, les gens, il fait pâté. Madame, vous faites pâté? Avec quoi? Comment faire pâté? Ah, bien de l'homme. Venez ici, comment vous arrangez à faire pâté? Nous, on apprend beaucoup. Ici, c'est l'école. Nous, on a connu pâté de bœuf. Combien? Pâté de quoi encore? Boulaye. Boulaye, ça dit quoi? Mais pâté de chair humaine. Vous êtes terribles, les sorciers. Vous faites pâté? Expliquez comment on fait pâté. Pâté, là, dès qu'on tue la personne nette, on commence à enlever la peau. Et puis quand on finit d'enlever la peau, les os, on les met de côté. Vous mettez les os de côté. Voilà. Maintenant, la chair, on découpe petit petit. Au fur et à mesure, on découpe petit petit. Maintenant, après, maintenant, on fait bouillir bien. Ça devient comme bâton. Maintenant, après, maintenant, on met le sang dessus. Ça devient comme une huile. Maintenant, ça devient bien joli. Maintenant, la peau, maintenant... Bien joli. C'est ça, elle joue. Ça devient bien joli chez nous, ça devient joli. Maintenant, on commence à manger. Maintenant, la peau, on les presse. On les presse bien, la peau, ça devient sec, bien. Et puis, on mange avec les trucs, ça devient fin. Yeah. Madame, allez-vous asseoir, madame Patin. Allez-vous asseoir. Et puis, vous ne voulez pas qu'on combatte la sorcellerie. Il y a l'aspect tuerie dedans. Les sorciers endeuillent les gens. Or, le royaume de Dieu, nous en tant que chrétiens, c'est d'imposer le règne de Jésus. Amen. C'est d'imposer le règne de Jésus. Quand un enfant de Dieu est quelque part, le diable doit commencer à dégager. Amen. Nous ne combattons la sorcellerie. C'est ça qui s'est appelé la brigade anti-sorcier. Moi, je combats sorcier. Celui qui veut le fâcher, ne veut pas fâcher. Moi, je combats sorcier. Que tu traduis ça comme tu veux, je m'en fiche. Je m'en fiche. Que tu me prêtes de tous les noms, je m'en fiche. Moi, je combats sorcier. Parce que l'homme a droit à la vie. Amen. Voilà, donc ici, nous traitons le problème des sorcières. Chacun a sa spécialité. Vous allez aller au CHU, au Nebougon. Vous allez voir qu'un médecin va vous prendre, c'est un généraliste. Après consultation, il va vous conseiller un spécialiste. Et dans le corps aussi, c'est comme ça. Chacun a sa spécialité. C'est ce que vous ne savez pas. Quand vous lisez 2 Corinthiens, quand vous lisez Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, jusqu'au verset 6, la Bible nous parle de la diversité des dons et diversité des ministères. Dans la diversité des ministères. C'est parce que les gens ne veulent pas rester dans leur ministère. Sinon, Dieu allait les bénir. Or, moi, il y a des terrains sur lesquels je ne veux pas trop traîner. Moi, je suis dans le vent des sorcelleries. Si sorcier t'a bouffé, je peux t'enlever dans le vent des sorcelleries. J'ai cette onction. Amen. Il est là, lui, il va te prendre dans l'estomac. Je te prends dedans, et puis je t'enlève pour t'envoyer. Si son vin, je prends ta chair dans les vins estomacs, et puis je te fais sortir. Chacun a son don. Et puis on peut délivrer le sorcier. Les gens pensent que le sorcier ne peut pas être délivré. Or, quand on attendait parler en bas des sorciers, on a peur. Nous délivrons les sorciers. Nous disons que les sorciers ne peuvent jamais être délivrés. Pourquoi? C'est des démons qui sont en eux. Ils peuvent être délivrés. Dieu le souverain, le puissant. Satan ne peut pas rester toujours en maître, régner en maître, pourquoi? Il est qui? Or, Jésus-Christ l'a vaincu. Nous devons démontrer la puissance de Dieu. Au travers de ce ministère, même les musulmans écoutent le message que je fais.
Beaucoup de ministres, ceux qui sont les sorcelleries, là, ça n'a rien à voir avec leur peau, ni religion. Sorcellerie, c'est sorcellerie. C'est depuis qu'on a commencé à poster, moi, je n'ai même pas intéressé même à poster mes vidéos sur le YouTube. C'est les gens qui maîtrisaient l'Internet qui m'ont parlé de ça. Parce que ça ne m'a pas intéressé au départ. On a fait un site, moi, je n'ai pas voulu alimenter ça. C'est la presse, les gens ou les journalistes qui m'ont découvert quelque part dans la rue. C'est eux qui me poursuivaient. Parce qu'ils voyaient les témoignages, des choses que je déterrais. Or, quand on voit les gens, on dit, ah, le prophète, là, on a dit, ça m'a pas hier. Moi, je m'en fiche. Non, je m'en fiche. Or, le diable ne copie que ce Dieu. C'est la photocopie, copie si Dieu. Sorcier d'il est un canari, et puis vous voulez pas qu'on déterre. Vous voulez mettre ça en prière. Prière, je brise, qu'est-ce que je brise? Moi, je vois un canari, je déterre. Sans problème. Parce que Dieu est puissant. J'étais allé dans le village de Gros, j'aurais dit, il y a un serpent, ici un dragon. Ils ont parlé, je suis allé détruire, faire sortir le dragon de la termitière. C'est ça la puissance de Dieu. Or, quand ça dépasse les gens, ils ont trouvé ça à Satan. Depuis quand Satan est fort. Moi, je banalise Satan. Je banalise Satan. Dieu nous a donné le pouvoir sur les sorciers. Moi, je vais dans des chiens là, ils sont là. Eux tous là, chacun me guette. Chacun cherche à me manger. Mais ils ne me disent rien. Moi, je les banalise. C'est ce que vous devez faire d'ailleurs. Ce que vous devez faire, c'est d'avoir Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie. C'est tout. Si vous avez Jésus, ils ne vont pas manger. Amen. Donc ici, c'est un endroit très sûr où même le sorcier est convaincu qu'il peut être délivré. Ici, là. Les victimes sont délivrées. Le sorcier lui-même est délivré. Amen. C'est un endroit sûr. Or, si tu es passé ici, qui n'a pas été délivré, c'est la tombe qui t'attend. Or, la tombe, c'est aussi une forme de délivrance. Ah, mais c'est vrai. Si tu es mort, quand on t'est délivré, les victimes sont délivrées. Toi-même te délivrer. Tu vois, ça fatigue ce travail. C'est fatigant. Toujours tu t'envoles la nuit, tu vas attaquer les gens, tu ne dors pas. Ça te fatigue. Ça va, maman, mamie, ça va? Tu as vu, non? Alors, on t'a libéré d'un poids. Vous comprenez? Vous m'aimerez pourquoi? C'est moi qui suis le détecteur. Je ne veux même pas. Ouais. Souvent, quand on délivre les gens ont l'impression de voir leur maman encore comme ceci. Je demande ça va la maman de lui. C'est moi, je suis le détecteur. C'est moi qui peux vous dire ça va ou ça va pas. Je ne vais jamais vous donner un cadeau empoisonné. Non. Moi, sorcier, il n'y a pas de camarade. C'est non, ça c'est pas camaraderie. On ne peut jamais négocier, faire camaraderie et sorcier. Pourquoi? Parce qu'il lui tue. Lui, il va vous trahir. Sorcier va te trahir. Lui, camarade, il va passer. Ben, il a envie de manger, il va aller manger. Il va aller manger. Donc, moi, sorcier, il n'y a pas de camaraderie. Enfin, on ne dit pas. Si je vous dis, la personne est délivrée, elle est délivrée. Si elle n'est pas délivrée, j'ai le détecteur en moi. J'ai le détecteur en moi. Or, vous voyez, les gens, ils peuvent accepter la sorcellerie, mais ils acceptent difficilement la délivrance. Ils acceptent. Or, c'est ça le danger. Ce qui fait que souvent les gens replongent dedans. Parce qu'on les pousse avec la sainte vie. Non, est-ce que toi, un sorcier, comment on l'insulte, ça devient un nouveau nom pour lui. On peut délivrer de la sorcellerie. C'est possible. Dieu est puissant. On a aujourd'hui des ex-sorciers qui sont dans notre ministère, qui travaillent avec nous. Ils sont tranquilles, même chez moi à la maison. Il y a une qui vient d'être libérée, elle est en prison. On l'a amenée chez nous, on l'a délivrée. Elle a libéré Dominique. Ça fait une semaine qu'ils l'ont libéré. Elle dit c'est fini. Elle a fait plusieurs fois de la sorcellerie. Or, les gens même ont peur de vivre avec les ex-sorciers. Or, moi, c'est un message fort. On peut partir de l'état de la sorcellerie avec quelqu'un de puissant devant. Parce que Jésus a fait aux malades. Or, la sorcellerie, c'est une maladie. Les gens, quand ils savent, ah, il est sorcier, c'est fini. C'est vrai. Mais vous avez un pouvoir en vous, en tant que chrétien. La Bible dit ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Démontrez cette puissance. Démontrez ça. Oh, la Bible dit que ne vous prenez pas seulement à écouter, mais à les mettre en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. La Bible dit ce qui est en vous est fort. Amen. Alléluia. Moi, ce qui est chaque jour, c'est pas la grâce de Dieu.
La dame là, combien de fois m'a poursuivi? Quelle événissée m'a poursuivi pendant 3 jours, là, vous voyez? 3 nuits. Le jour où elle m'a attrapé dans mon lit, paf. Il vient de poser la question, comment elle a eu à se faire? J'ai trouvé la réponse, je le tiens. Et c'est comme ça toujours. Parce qu'il me guette, là, j'ai du dur. Il me démystifie. Moi, je les guette. Je les démystifie. C'est comme ça. Le sorcier, il aime bien attaquer celui qui me dérange. Oh, moi, il y a un pouvoir. Moi, je ne suis pas inquiété. Je suis là. Ça ne me dit rien. Il faut me jeter dans un village. Si son sang, il est ramassé. Je les ramasse. Et puis, il est délivré sur le territoire. J'aime bien mettre les délivrés sur le territoire. Chose qui est tellement fort en vous, c'est la puissance de Dieu. C'est ça. Le Saint-Esprit en vous. L'apôtre dit l'Esprit de Dieu, Christ en moi, l'Esprit donc de la gloire. C'est une force. C'est pas de la plaisanterie. Amen. 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 Si vous venez avec vos sorciers pour les bénir, acceptez leur délivrance. Ne dites pas que non. Est-ce que c'est arrivé un moment où on a délivré une personne ici? Et puis le papa voyait que l'enfant le poursuivait encore en rêve. Il dit non, pardon. Lui dit tu vois un rêve, c'est pas ton fils. C'est vrai que tu n'acceptes pas la délivrance, que tu vois l'enfant à machette en train de te poursuivre. Mais pourquoi un sorcier a défoussé un machette? C'est que comme il y a un problème, le sorcier vient de poursuivre. Tu lui dis, stop! Moi, je suis là pour que tu me poursuives. Moi? Non. Tu me poursuis, c'est moi-même qui te poursuis. Amen. Amen. C'est moi qui ai été poursuivi. Le jour où vous voyez des rêves bizarres, levez-vous contre la société. N'ayez pas peur. Oh, le diable va vous effrayer. Il est comme un lion. Il vous effraie. Et quand vous paniquez, dans la panique, vous attrape. C'est comme ça, le diable, dans la panique, vous attrape. Quand vous avez quelque chose qui est fort en vous, c'est seulement d'ordonner, parler. Et puis ça arrive. C'est tout. Vous avez un pouvoir en vous. Vous avez peur. Oh, c'est ça, le diable. Il vous fait croire qu'il est plus fort que Dieu. En réalité, c'est ce que les gens pensent, que le sorcier est plus fort. Si le sorcier était fort, il entend m'en manger. Si je vous compte les expériences que moi j'ai vécues, derrière Grand là-haut, je traverse l'eau, des kilomètres, 10 kilomètres, je suis sur l'eau, je m'ai attaqué tout un village, le sorcier, j'ai fait 10 jours avec eux, je les descends, je prends la pureur et je sors. C'est qui est fait comme travail quand il voit ici. Comme un pilon dans le village, bébé à bébé, fétiche même, est sorcier. Il y a fétiche, bébé qui est dedans, là, il mange l'homme. Tout le monde mange. Il y a un village d'Adam. 10 jours, je suis sûr, chacun lui a parlé. Il n'y a pas un qui n'a pas confessé. C'est leur puits, il n'y a pas, pourtant c'est puits. Dans leur puits, là, ça a été fait. Ça se dit. Chacun mange. Donc on gagne, le plus fait qu'on attrape, on le mange. Que se mange en deux. Dans la société, on te gagne, quand tu prends, tu manges. Or nous avons un pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est d'arrêter les œuvres du diable. Dieu s'en va. Stop. Arrête. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Nous avons reçu le pouvoir de Jésus d'arrêter les œuvres du diable. Ça va chez toi? Oui, papa. Merci. Ici, là, il n'y a pas d'interdit. L'interdiction, là, c'est péché. Voilà. Sinon, pas je suis ici. Souvent, les gens disent, est-ce que quand je vois mes menstrues, mes règles, est-ce que je dois utiliser maintenant l'église? Viens à l'église. Prends l'huile. C'est pas péché. C'est Dieu qui a créé ça. Vous n'avez pas de problème à ça. On a vous êtes délivré. Qu'est-ce qui est sorti en vous? Quand tu dis là, la chair est sortie douce comme ça dans mon corps. Qui a fait la délivrance? La chair est sortie douce comme ça. Je dirais couvrant dans mon corps. Mm-hmm. Ça m'a surtout comme ça. C'est ça, j'ai vu. T'as vu? Mm-hmm. Et ton cœur a donné tranquille maintenant. Mm-hmm. Oh, ce qui est en eux là, ça les pousse. Mm-hmm. Ça pousse le cœur. Tu vois ta fille, tu la vois en Shibuya. Tu veux manger. Maman, bonjour. Elle te voit en cabri. Elle va cabri, elle veut faire pépé sous. Elle a checké.
Il y a un monsieur qui a fait comme son enfant. On l'a délivré à Zaroko. Son fils, or le fils avait reçu l'onction. Il allait rendre visite à son papa, à Tiasalé. Le papa regardait, il dit, ah mon cabri est venu, il s'est dépêché, il est venu chez moi. Donc le vieux, il allait faire marcher pour le manger. Dès qu'il a voulu toucher le choubouillé empoisonné, parce que c'est bien un choubouillé empoisonné, qu'elle a touché, paf, la tête. Son cœur. Soit le prend des tas salés, tout ça. Il a regardé dans la main, il lui dit, moi mon problème là, c'est pas merci grâce à Jésus. Ses pieds sont enflés, problème de cœur. C'est quand il est arrivé, je dis, moi là, je sais que s'il arrive chez le prophète, il va dire de quoi. Les sorciers, difficilement, ils parlent. Hein. C'est quand il avait dit, voilà, je sais que maintenant il va parler. Et puis quand il a dit, mon fils, j'ai voulu le tuer, qu'on a prié pour lui, bam, il a été totalement désolé. Amen. Amen. Ça va sur toi? Oui, papa. Tu as été délivré. Hein? Oui, papa. Tu as été quoi? Délivré. Oui, d'autres comment va français? Délivré, d'ailleurs, tu as quitté les dents. J'ai quitté les dents. Vrai, vrai. Oui, papa. Si tu vois, viens de l'homme, tu es doux, quand tu dis tu es doux, tu as mangé? Je ne mange pas, papa. Pourquoi? Viens là, c'est pas doux. Non. Maintenant, c'est pas. Avant, c'est pas doux. Il faisait qu'un sort s'en va. Oh, moi, j'ai démystifié la sorcellerie. Ouais, je suis en train de démystifier ça. Parce que t'es urgent, non, démystifie pas la chose. Ah. Tu vas plus avoir peur de Dieu, craint Dieu, que c'est le présenté. Le sorcier, c'est le présenté. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est le présenté. Oui? Ça c'est berger. Elle est foutue, il y a des gens. Elle est foutue, il y a. J'ai bien retenu ça. Elle a gâté, il y a. Ça va? Oui, papa. Maintenant, tu as pris manger? Non, papa. Tu as pris faire sortir du pile? Non, papa. Tu as laissé ta fille tranquille? Oui, papa. Elle est étale comme ça, et puis qu'il la sort. Non, c'est terrible dans la société, c'est bête. Tu as tout ce pouvoir là, tu es pauvre. Vous-même là, vous ne pouvez pas vous poser beaucoup de questions aussi. Vous utilisez ça pour détruire. Il n'y avait pas l'argent dedans. Il y a une qui dit, elle a trois enfants. Elle est son papa. Il y a un petit, il dit, mais lui dit, vous avez combien d'enfants? J'ai deux, non? Deux enfants. Il dit, mais des enfants, ils n'ont qu'à mourir de faim là-bas. C'est bon. Donc quand elle est là, qu'à mourir de faim. Donc elle fait gêne sec. Ça veut qu'elle est tuée. Il nourrit les enfants à quoi elle vient de l'homme. Sec. Ils n'ont qu'à mourir de gêne. Ça va, tu vas laisser. Oui, papa. Ok, elle a t'as ton huile là. Oui, papa. Envoie. Maintenant voici la partie qui va elle-même se retourner contre elle. Ça dit cesse. Vous savez, il y a ce qu'on appelle pacte et puis il y a ce qu'on appelle le serment. Le serment se prend devant Dieu. Or, le pacte, c'est avec le Satan, on tisse le pacte. On peut briser, mais le serment, non. Pour ça, vous allez voir la soutenance, les médecins, devant Dieu, les hommes, je décide de faire correctement mon travail. Le juge est volé, il y a un problème. Vous comprenez? Le jour 7 pas, c'est prêt de serment tout à l'heure, qu'elle retourne à la sorcellerie, c'est fini. C'est pas vous, elle va commencer à s'enfuir. Or, la Bible dit que c'est un homme qui aura sémé. Il le moissonnera. En fait, voici un peu la particularité de notre ministère. Or, quand Dieu vous donne un ministère, il vous donne comment reçu le ministère. Il y a des secrets du ministère. Il y a des secrets. Or, vous le savez que les diables sont changeants. Vous savez que la parole, la Bible, c'est ta parole qui te justifiera et ta parole te condamnera. Ça va? Oui, ça va. Le jour où tu vas changer des paroles, même ici, tu vas avoir des problèmes. Ouvrez. Tu vas laisser. Oui, papa. Devant Dieu et les hommes. Oui, papa. Tu décides de laisser. Oui, papa. Okay. Le jour où toi-même tu retournes où tu as vu, comme la femme là, elle dit, ma chère, je vais attaquer et puis on préparait porc au fou. Et puis on dit, mamie, viens. Elle dit, ok, je viens. Tu as checké, tu as dans ta main, là, Goudjama, là.
Sincèrement, il y a un porc au four. Et puis, ils ont servi la mamie. Elle a mangé, et puis elle s'est enflée. Elle dit, mais tu as vu, non, c'est pas moi. Je dis, mais comment tu peux marcher? Elle va à checker où on fait viande. Ils t'ont seulement rendu un service. Parce qu'à checker, là, on a compris, c'est viande. Et puis, elle a mangé les bottes. Si tu quittes ici, où on fait viande, il ne faut pas passer là-bas, viande de l'homme. Tu as compris? J'ai compris, papa. Si tu vois les enfants, il faut les laisser. Compris, si tu vois les gens, il ne faut pas les attaquer. J'ai compris, papa. Tu as dit quoi? J'ai compris, papa. Le jour où tu vas les attaquer, tu veux que Dieu te fasse quoi? J'ai compris. Hein? Ça, Dieu ne joue pas ça. C'est un mec qui a dit ça. Le jour où toi-même tu retourneras à la sorcellerie, hein? Dieu a fait quoi? Ok. D'abord, il y aura un signe. Tu vas t'enfler. Et puis, doucement, doucement, tu vas parler d'abord. Si tu meurs, la croix finira pour toi. On est d'accord? Oui, papa. Mais on ne t'entend pas, hein? On va prendre tes petites nattes bizarres et puis te jeter dans un trou. Je sais que tu as dit, mais le jour où tu retournes dedans. Je ne retourne pas. Ok. Hein? Je ne retourne pas. Tu es sûr? Oui, papa. Tu ne vas plus retourner. Oui, papa. Ok. Attends, je on ne joue pas un Dieu. Voilà. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est toi-même qui as commencé, madame. Dieu, on ne le défie pas. C'est comme ça qu'on attrape les sorciers. Là, tu es sûr qu'il coupe un danger. Tu n'as pas fait ça, la sorcière va aller partir dedans. C'est le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le jour où tu retourneras la sorcellerie, ta parole va te rattraper. Parce que la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme pourra s'aimer. Or, la parole qu'il s'aimante, c'est qu'un homme aura s'aimer le mentionnera. Le jour où tu retourneras la sorcellerie pour attaquer une personne, même manger la chair humaine, tu vas d'abord t'enfler. Fais des aveux et mourir. Et si tu meurs, personne ne doit faire tes funérailles. Je cède cette parole sur ta vie. Au nom de Jésus que je prie le Père. Maintenant, vous pouvez dormir avec elle. Elle n'est plus dangereuse. Madame, allez vous asseoir. Demain, on va vous libérer. Demain, on a besoin de ton témoignage. Il ne faut plus faire sortir Guigui là. Hein. T'as compris? Madame, je suis tes yeux. Mamie? Ça va? Oui, c'est bon, ton nom. Oui, une bouteille, vous avez envoyé. Il reste quoi? Ah oui, ça coule. C'est ça. Toi-même, tu sens qu'il n'est pas libéré. Vous ne voulez pas délivrer. Hein? Ok. La maman va libérer ta victime. Ils savent, eux, ils savent que c'est dangereux. C'est les belles filles comme ça. Tu jouais dans la vie des gens. C'est votre maman. C'est elle, son nom là. Ça y est, il y a un accident. Il dit plus beaucoup. Hein? Hein? Oui ou non? Sorcier de poussi puis de loup. La paix et la gloire est à Dieu. Amen. Hein? Sorcier et piège. Piège de sorcier, ça loupe. On dit pour toi, ça a loupé. Nous sommes en train de délivrer ta maman. Non, elle n'est pas comme ça. Maman, on ne choisit pas. Ok. On ne choisit pas. Finissez, vous êtes ensemble. C'est maintenant, c'est la vraie maman. Oh, les gens n'aiment pas pardonner. Les gars, non, il faut accepter.
Il faut accepter de vivre après avec les sorciers. Il faut accepter. Vous allez prier pour être. Vous allez renoncer les paroles de l'évangile. C'est ce qui est fait dans l'action prophétique. Souvent, ça dépasse les gens. Moi, je suis dans l'action prophétique. Jésus lui-même a pris. Il a pris sa salive un matin. Il a mis ça dans la boue. Et puis, il a appliqué ça sur les yeux d'un aveugle. C'est pour ça qu'il lisait la Bible. J'ai dit aux gens, moi en Bible, je connais, j'ai eu une licence en théologie. J'ai pu enseigner pasteur, j'enseigne les pasteurs. Mais je suis prophète. Ma manière de travailler là, c'est différent des pasteurs. Moi, c'est différent. Allons-y. Le manque de fait quoi? J'ai programmé par accident. Hein? Je l'ai programmé par accident. Hein? Je l'ai programmé par accident. J'ai gâté, c'est parti. Il n'a plus travaillé. J'ai gâté, j'ai enlevé son utérus. Ça va bien enlevé. J'ai plus son étoile. J'ai plus l'étoile de mes enfants. Tu as enlevé un en elle. Oui. Enlevé l'utérus. Oui. Vous avez subi une opération, non? Vous avez subi une opération. Vous n'avez pas trop payé. Un fils, c'est à quel âge? 9 ans. Comment tu es arrivé à prendre l'utérus? Je suis allé. Je me suis transformé. Je suis parti. Je l'ai appelé. Et puis j'ai mis ma main. Tu as mangé ça? Non. Tu as mis ça où? J'ai gardé là-bas. Où nous sommes? Vous me voyez? Où nous sommes? Mmh. Tu as fait quoi encore? Mon fils aussi. Je l'ai programmé. Quand il va avoir 30 ans, on va le manger. On va le manger. Vous vous asseoir de manger l'homme là, vraiment, c'est terrible. Oh, il y a poulet, il y a les pintades, il y a les cabris. C'est l'homme là qui vous intéresse. Tous mes enfants, leur étoile, j'ai pris. T'as pris l'étoile? Hein? Et tu as gardé ça où? Dans le fromage. Elle sera délivrée. Yako. Ouais, Yako. C'est vrai, c'est pas facile d'apprendre qu'une femme avec laquelle on a vécu tout le temps, on apprend comme ça qu'elle est sorcière. C'est choquant. Mais il y a une fille en toute chose. Voilà. Il y a une fille en toute chose. Voilà. Or, il y a d'autres qui n'ont pas vécu ce que je t'en vais de vivre. Elles ont vécu des prisons, elles sont en prison, sont mortes dans des prisons spirituelles. Or, Dieu est en train de vous délivrer de quelque chose. Ça, c'est une victoire. Mais après, elle reste madame, elle reste la mère des enfants. Amen. Voilà. C'est pour le mieux et pour le pire. C'est pas de prison, j'avais. Oui, non, elle. Puisque elle, elles sont en train de prier pour elle. J'ai enlevé son utérus. J'ai programmé son fils. Mes enfants.